Voilà, là vous avez le bon écran. J'espère que vous allez bien, c'est dimanche. Normalement, je devais faire un live à 18h, mais j'ai totalement en fait, je pouvais pas. Donc, du coup, je suis vraiment désolé pour ça. Ceux que j'ai dit que j'allais faire un live à 18h et que du coup, j'ai pas trop honoré cette promesse. Donc, j'en suis le premier désolé. Et on continue. Alors, peut-être, vu l'heure, une quête, c'est sûr. Deux. Ça va peut-être un peu coincer sur toujours HeroQuest avec cette fois-ci la campagne qui est la forteresse de Kelar. Donc déjà bonsoir à tous. Je n'ai pas encore le chat donc j'espère que ça ne va pas trop tarder. Et puis on va essayer de se mettre dessus. Alors je voulais m'émanciper un peu de l'application et prendre directement le solo de Gravaillon avec les cartes puisqu'il a fait un système qui est très simple et qui permet d'être dynamique alors que vous savez sur l'application. Il faut à chaque fois bouger, etc. Donc je pense que je vais m'imprimer ça demain et partir ensuite sur ce nouveau truc. Parce que sinon ça va être compliqué. Donc voilà. Alors j'ai toujours pas le chat, je suis vraiment navré, je sais pas qui est là, qui n'est pas là, combien vous êtes, etc. Mais on va continuer sur les galeries du guerrier, puisqu'on avait fait la grande porte vendredi soir. Et du coup, maintenant, on va se faire eh bien, la deuxième de cette petite campagne qui équivaut à 10 quêtes, je crois, un truc comme ça. Alors, les galeries, pardon, décidément du guerrier. Alors, une autre grande porte en fer se dresse devant vous. Au-delà se trouvent les galeries du guerrier, des passages anciens où sont honorés les plus grands guerriers nains. Des témoignages de leurs faits d'armes sont gravés dans les murs pour que leur courage ne soit jamais oublié. Soyez prudents, car ces galeries ont également été conçues pour tester des nains au talent et au courage exceptionnel. Faites attention aux pièges et aux redoutables adversaires en cherchant la porte de sortie en bois qui vous mènera en lieu sûr. Donc la particularité un peu de... La particularité, pardon, un peu de ces quêtes-là... De la forteresse de Kellar, c'est que vous ne commencez plus maintenant dans un escalier, mais vous devez chercher à chaque fois une porte en bois qui vous amène sur un nouveau truc, etc. Et vous commencez en dehors du plateau. Voilà, c'est un peu la particularité de ce truc-là. Hop, alors, je vais du coup me positionner, parce que sinon c'est compliqué pour jouer. Et on va commencer cette fois-ci au-dessus. Alors, la porte se trouve ici. Si je ne dis pas de bêtises, voilà. Et nous, on va commencer du coup. Ouh là 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 là. Alors déjà, il y a un truc ici. Il y a ensuite une porte fermée là-dessus. Je vais où? Où est-ce que c'est ça? Celle-là. Ensuite, il y a un truc fermé ici. Et nous avons une nouvelle porte qui se trouve ici et qui nous permet aussi d'avoir quelque chose de fermé de ce côté. Donc du coup, on n'a pas tellement le choix que de venir là ou là. Tac. Trouver la porte de sortie en bois. Ok, les grands coffres au trésor contenant des pièces d'or doivent être répartis entre les survivants. La porte en fer s'ouvre et du coup on doit y aller. Alors, on va commencer par le barbare directement. On va peut-être l'envoyer du côté gauche. Alors j'allais le prendre mais il est là. 1, 2, 3, 4. Hop, on va ouvrir la porte. Donc le barbare, 1, 2, 3, 4. On ouvre la porte. On a une autre porte ici. On a une porte en bois là-dessus. Et on a un nain. Un gobelin, pardon, je veux dire. Voilà, ici. Et je vais faire 2. 1 et 2, tout droit. Voilà. Ou 1, pour pas qu'il s'échappe. Voilà. Ça, il pourra pas s'échapper. Je vais le mettre ici. L'elfe, ou le nain, tiens. Le nain fait 3. 1, 2, 3. Il se prépare ici. Et on va pas tellement ouvrir. Parce que du coup, on ne sait jamais. L'elfe, du coup, il fait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bah tiens, il va se mettre à côté. Et il va attaquer. Alors lui, il a toujours son truc là. Ah mince! Vous avez déclenché une chute de bloc. Placez la tuile chute de bloc sur le plateau de jeu sous la figurine de votre héros. Vous devez lancer 3 dés d'attaque. Pour chaque crâne obtenu, vous perdez un point de vie. Wapapapa. Ok. Eh ben 3 points de vie. Oh la vache.
Eh bien, je me retrouve ici, donc en fait, je ne prends rien. Voilà, je me retrouve ici. Bam! Et j'ai moins 3 PV. Oh là là. Et je me mets du coup ici. Paf! Voilà. Oh la vache! Et je perds 3 PV. Donc je suis à 3 points de vie déjà. Ok, donc ça commence déjà très bien. Hop, 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 hop. Ensuite, l'enchanteur. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, est-ce qu'il se trouve ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Allez, on va prendre l'enchanteur, on va le mettre ici et on va attaquer le gobelin en espérant qu'il n'y ait rien d'autre. Oh non, c'est pas vrai! Placer la tuile, chute de bloc! Punaise, mais je vais me prendre, je vais tout crever. En fait, je vais crever là. Elle est où la tuile, chute de bloc? Elle est là. Lancer 3D. Oh là là. Ah, je me prends un dégât. Bon, ça va. Putain, la vache, il y a des chutes de partout là. Hop. Chute de bloc ici. Cra, décidément. Et je me mets, je pense, ici. Alors, est-ce que je peux me mettre là déjà? Ah non, je peux me mettre qu'à côté. Oh là là là, il m'a bien pris en tenaille le petit gobelin là. Et je me perds 1 PV, je suis à 3 PV. Oh là là là, c'est pas possible. Oh putain, je me suis pris déjà des gifles. Et bien c'est terminé. Tour de Zargon. Alors lui, il se met à côté. Et il va attaquer comme d'hab. Alors moi j'ai combien avec lui? J'ai 5 dés je crois. J'ai du coup les bracelets, le bouclier, le casque et j'ai 2 de base. Eh ben je me prends un dégât. Hein. Oh là 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 là, c'est chaud. Eh bien, avec l'elfe, je vais jouer tout de suite et je vais faire mon sort de guérison pour revenir à 6 PV. Je suis à combien de base, moi? Je suis à 6, voilà. Je vais faire un sort de guérison. Autant dire que je vais pas rester à 2 PV maintenant, c'est chaud. Donc ça, c'est mon action. Ensuite, je vais prendre le barbare qui va faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop. En espérant que j'ai rien. Tac. Oh putain, c'est pas vrai. Il y a encore une chute de bloc. 3D. Oh, je me prends 2 dégâts avec lui. Oh putain, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des chutes de partout, quoi. Oh, je vais prendre une chute de bloc. Oh là là. Bon, alors la chute, elle était là. Oh putain, c'est pas vrai. Hop là. Tac. Et malheureusement, bah je me mets là. Hein. Ah, je peux même pas y accéder, quoi. Oh là là. Ok, et ben je reste là. Oh, c'est terrible. C'est terrible. Donc il y a des chutes et du coup là, bah, le pauvre, l'elfe déjà ainsi que le sorcier, ils sont dispatchés. Et il reste le barbare et le nain tout seul. Putain, ça commence déjà. Ça commence mal. Bah, je vais jouer du coup l'enchanteur qui va faire 1, 2, 3 et qui va lancer 2 dés d'attaque. Il fait 2. Bon, c'est parfait. Au moins, il le bute. Voilà. J'ouvre pas la porte et je tue lui. Et puis on a le nain. Hein. Le nain qui va ouvrir la porte. Allez. Tac. Une nouvelle porte ici. Avec une porte ouverte. Hop, en espérant. Ah là là là, ça commence à être chaud là. J'ai peur qu'il y ait encore des trucs ici. Bon, je vais descendre d'une case. Je vais descendre de 2. Faire 3. Eh putain, je tombe dans une fosse, quoi. Oh là là là. Je tombe dans une fosse ici. Aïe 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 aïe. Et fin de tour. Ah, c'était pas le fin de tour avec mon barbare, donc du coup j'aurais pu continuer, hein. Il avait fait 1-2. Ah, je sais plus combien il avait fait. Bon, c'est pas grave. Allez, tour de Zargon.
Oh là 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 là. C'est l'enfer ce truc. Alors lui il se met là. Et il fait rien du tout. Parfait. Bon, le barbare. 12. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. J'espère ne rien avoir. Parce que sinon ça va être encore l'enfer. Allez. On prie. Ah si, putain, encore, je tombe dans une fosse, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh là 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 là, la double fosse. Et un PV en moins. Oh là là, déjà que j'en avais pas beaucoup. Alors tout à l'heure, j'en ai pris deux, je crois. Donc je suis à 5 PV. Et le nain doit en prendre un. Il est à 6 PV. Le nain, il va sortir. Il va faire 1-2, il va juste se mettre à côté. Oh putain, je tombe encore dans une fosse. Non mais c'est l'enfer. Putain, c'est pas possible. Oh là là, je tombe ici en fait. Ah, il y a des fosses de partout là. Oh là là. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Un en moins, je suis à 5 PV. Putain, mais c'est début de partie infernale quoi. Punaise. Et en plus, je peux même pas demander des pièges parce que tant qu'il y a des mecs, on peut pas. Le mage. Le mage, il sort. Un, il ouvre la porte. Alors, hop. En espérant avoir plus de chance. En un, il sort. Alors, en un, il se met du coup 8. Ici. Ça ferme le truc. Ici. Ensuite, nous avons un truc ici et un truc ici. Ok, donc il a fait 1, 2, il vient ici et il va chercher des pièges. Aucun piège. Lui va faire 4, 1, 2, 3 et 4. Et il va se mettre à côté. Ah, je m'étais mis là avec lui, pardon. Et lui va chercher des portes secrètes. Pas de portes secrètes, ok. Alors, le gobelin, il se met là. Ouais, mais je crois que lui, il évite de toute façon tous les trucs. Hein. Il s'en fout. Et il attaque le barbare. Alors, j'ai 5 dés pour une touche. Alors, heureusement que j'ai fait un bouclier. Hein. Putain, la vache. Bon, le barbare. Alors, en espérant que ça passe. 1 et 2. S'il y a encore des trucs ici, c'est chaud. Hein. Ok, il n'y a rien. Pff, heureusement. 3 dés. 2 dégâts, il est mort. Bim. Donc ça, c'est fait. Le nain, il fait 3. 1, 2, 3. Il se met devant la porte. Hop, il va même l'ouvrir. Hop. Alors, en espérant qu'il puisse. Hein. Voilà, c'est bon. Et il reste là. Ensuite, on a l'elfe qui fait 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il va se mettre là. 1, 2, 3. Alors, ok, on a un truc ici. On a une porte fermée ici. Hop. Et je descends de 2. Et on a une porte fermée. Et un rocher. Hop, qui se trouve ici. Ok. Ouais, mais je savais pas qu'il y avait trois fosses, très honnêtement. Là, je viens de voir le chat directement. Salut à tous, à Goldust. Hop, je viens de voir que ton pseudo, donc les autres, j'ai pas encore vu. Il n'y a rien qui s'est affiché. Et il y a deux petits morpions ici. Là. Eux, ils avancent de combien déjà? De 6. 5, 6, ok. Et je vais me remettre ici, tiens. Voilà. Et je vais chercher. Non, il n'y a rien. L'enchanteur, il va faire 1, 2 et 3. Il va se mettre en dessous. Ok, putain. Il y a quand même plein de trucs, hein. Alors ça, on l'enlève.
Et il y a du coup une nouvelle porte fermée ici. Tac. Oh là 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 là. Avec deux squelettes. Et une et deux. Je n'ouvre pas la porte. Alors ils vont faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais mettre ici. Tac. Oh, quoi que c'est con, je vais remonter en haut de 2. 1 et 2. Voilà. Et même 3. Tour de Zargon, je crois que c'est bon. Ouais, c'est bon. Alors, lui, il se met là. Ça, c'était prévisible. Et l'autre va se mettre ici. Et tac, donc ça, on l'avait prévu. Ok, lui, il va faire pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et lui, pareil. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Juste derrière. Tac. Hop. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on va prendre le barbare. 7. 1, 2, 3, 4, 5. Il va attaquer avec 4 dés, parce que ce sont des morts vivants. Il fait 2 dégâts. Et c'est parti. Alors voilà, ça c'est mort. Donc lui. Et ça c'est détruit. Le nain. Oh, il fait 2. 1 et 2, il se met derrière. On va pas aller vite lui. Hein. L'elfe. Il va faire du coup 1 et 2. Et il va attaquer avec 2 dés. Il fait 2 dégâts. Parfait. Ça c'est éliminé. Je n'ouvre pas la porte. Donc ça c'est détruit. Et le mage. Il va faire 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. On se met juste à côté de ses potes. Parce que là sinon. Ouh, ça sent la double misère. Et on a terminé notre tour. Donc eux, ils vont avancer. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Donc ça s'avance comme ça. Hop. Alors, c'est reparti pour un tour. Combien j'ai de trucs? Alors, j'ai 5 points de vie. Et avec le nain, j'ai 5 points de vie. Je vais prendre le barbare parce qu'il se défend avec plus de trucs. Allez, je me mets à côté. J'attaque avec 4 dés. C'est du mort-vivant. Je fais un dégât. Et c'est parfait. C'est terminé. Tac. Donc ça, c'est fait. C'est bon. Je vais prendre le nain. Je vais faire 1, 2, 3, 4. Et je vais mettre là. Hop. Et je vais attaquer avec 4 dés. 2 dégâts. Et c'est parfait, c'est détruit. Voilà. Ça c'est bien ça. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va voir ici? Mais là je crois que je suis un peu dans la merde. Donc je vais aller de l'autre côté quand même. 5. Alors avant de faire ça, je vais chercher des pièges. Ah ouais, heureusement qu'on a cherché parce que il y a un piège ici. Il y a un piège juste là. Je vais faire 1, 2, 3 et 4. Je vais me mettre juste là. Et ensuite, on a le mage qui va du coup... Est-ce qu'on va de l'autre côté là un petit peu? On va suivre l'elfe. On va le mettre ici. Et l'elfe... Hop là. Et on va faire une action de porte secrète. Pas de porte secrète. Ok, le tour de Zargon, il n'y en a pas. Je suis à beaucoup de points de vie là, donc on va essayer de sauter avec l'elfe. Je vais sauter. Et je lance un dé. Eh ben c'est bon, c'est nickel. J'esquive la lance. Et je vais faire du coup... Ok, 1, 2, 3, je vais me mettre là, tac, à la dextérité de l'elfe,
Et je ferme la porte, je m'en fous. Lui, je le mets à côté. Voilà. Tac. On va peut-être chercher des portes secrètes. Il n'y en a pas. Est-ce que j'envoie ces deux là-bas, là? Sachant que je lui mets tout le temps Jean x2. Hein, avec l'anneau d'incantation. Faut que je le choisisse au début de quête. Donc là, je peux pas prendre deux fois de guérison. Parce que, bah, très honnêtement, je n'aurais pas pris ça. On va les emmener de l'autre côté. Allez, le nain. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tac. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Et je vais chercher les pièges. Pas de pièges. Ok. Et 9. 4, 5, 6, 7, 8. Et je vais le laisser derrière. Et là, normalement, ouais, je pense que je vais passer sous le système de gravaillon parce que l'application, ça me fait un peu chier, très honnêtement. Là, je vais juste avoir à tirer des cartes et tout. Ça, c'est plus simple. Non, j'ai dit que l'elfe saute bien. Il n'y en a rien à voir. Alors, on va prendre l'elfe, du coup, cette fois-ci, hein, qui fait 8. Alors, l'elfe, hein, il ouvre la porte. Une autre porte ici, avec un autre truc ici. Et on se retrouve avec un gobelin. Ah, je sens même pas. Maintenant, j'ai peur. J'ai peur maintenant d'avancer, quoi. Eh ben, je vais rester là. Je m'en fous. Je vais rester là. Il y a trop de pièges, là. Ça me semble chelou. Le nain. 1, 2, 3, 4, 5. On va prendre ça. 1, 2, 3, 4, 5. On ouvre la porte. Une autre porte ici. Tac. Voilà. Avec un nain ici. Un gobelin, pardon. Bon, allez, je rentre. Je suis téméraire. Voilà. Et j'attaque. 4 dés. 2 dégâts. Il est mort. Bam. Ça, c'est fait. Lui. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En espérant qu'il n'y a rien à côté. Hop. Tac, tac. Ok. Et je vais faire une action de piège. Pas de piège ici. Ok. Putain, on est tellement. Il y a tellement eu peur maintenant que du coup, je fais attention à tout, quoi. Et c'est parti. Alors, le tour, lui, il va venir m'attaquer. C'est parfait. Comme ça, je vais pouvoir ensuite rentrer et fouiller. Alors, il attaque mon elfe. Il fait un dégât. Ah putain, j'ai 5 dés avec lui, c'est vrai. Je me prends un dégât. Hein. Crash, je suis à 5 PV. Hein. Je vais attaquer avec mon elfe. Donc j'ai, hop là, 2 dés. Et je fais 2 dégâts, c'est parfait. Voilà. Je le détruis. Je vais faire 1 avec lui. Non. Si. Non. Non, je vais le laisser là. C'est avec le mage que je vais faire 1-2. Voilà, je vais rentrer. Oh putain. Placer la tuile chute de bloc sur le plateau. Oh là là, vous devez lancer 3 dés d'attaque pour chaque crâne. Oh là 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 là, putain, mais dès le début quoi. Oh, j'ai un crâne. Oh, mais je suis en muraille avec lui là. Oh là 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 là, c'est la poisse, sérieux. Je pensais pas qu'il allait y avoir un truc ici quand même. Oh là là, la grande poids, je peux pas rentrer quoi. Tac. Et je vais me mettre ici. Oh là là. Allez-y, faites le tour. Donc là, je reste là avec lui. Mon tour n'est pas fini comme tout à l'heure. Je vais chercher les pièges. Il n'y en a plus ici. Oh là là, je vais me taper un détour de malade. Ça va être chaud. Oh lolo, ça va être carrément compliqué. Merci à Olivier de Yellow, comment tu vas? Et merci pour l'abo, j'espère que tu vas bien. En ce dimanche. Oh là 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 là. Oh là putain, qu'est-ce qu'on va faire? Ça commence à sentir le sapin. Bon.
Je réfléchis un peu, mais je crois que c'est la merde. Je crois que c'est chaud. Je crois que c'est chaud quand même. Bon, on va faire fin de tour. On va prendre le nain. Il va faire 1, 2 et 3. Hop. Ouvre la porte. Tac, une nouvelle porte ici. Une porte ouverte ici. Hop, 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 hop. Une grosse vague là. Une grosse vague d'ennemis quand même, ça. Et ça. Et tac. Il va venir dans le tas. Allez hop. On sait jamais s'il en a pas assez pour le barbare. On va le mettre là. Tac, tac. Et il va attaquer le zombie à côté. Alors avant de faire ça, on sait jamais. Il peut y avoir des conneries. Voilà, c'est bon. Et il fait rien. Oh là, ça commence. Le barbare. 7. 1, 2, 3, 4, 5. Il va venir attaquer le zombie d'à côté avec 4D. Il fait 2 dégâts. Eh ben c'est foutu, parce qu'il a tanké deux fois. Oh la vache, là on a vraiment pas de chance. Hein. Ouh là là, que ça semble compliqué pour nos aventuriers, les pauvres. Alors, on va prendre, je pense. Je vais faire passer à travers les pierres là. Je vais faire ce sort là pour l'elfe. Donc il va faire 1, 2, 3 et 4. Je vais le laisser là. Lui, il va faire 1, 2 et 3. Voilà. Et l'elfe, je lui mets l'action de passer les pierres. Voilà, à travers la roche. Hop. Ah, mais je peux pas traverser ce truc-là. Ah merde. Alors attendez, je fais combien avec lui là? J'ai fait combien? J'ai fait 5. J'ai fait 5. Du coup, bah, je vais faire 1, 2, 3, 4 et 5. Ouais, je peux pas traverser juste les murs en fait. Mais pas ça. Bon, c'est pareil, je contourne en fait ici. Donc je fais 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. C'est la même chose. Alors, attaque sur le barbare. 5 dés de défense. Et je dois faire un bouclier. Eh ben j'en ai pas. Oh, putain, c'est vraiment la loose cette partie là. Ça commence à être compliqué. Popo 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 popo. Ça va être compliqué. Celui-ci s'en va ici. Voilà, je vais essuyer plein d'attaques là. Le nain. C'est parfait. Ouais, et lui j'imagine s'en va aussi. Voilà. Et j'ai encore deux attaques des zombies. La première. Hop. Parfait. J'imagine qu'il part. Voilà. Il se met ici. Et le deuxième, qui est sujet au nain. Et je me prends aussi un dégât. Et là, je me prends le dégât. Oh là 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 là. 4 points de vie avec le nain. 4 points de vie. Ça commence à être compliqué, hein. Bon. Alors, on va faire 1, 2 et 3. En espérant qu'il n'y a pas de piège. 4D. Un dégât. Putain. Eh bah ben, c'est bon. Ça, c'est buté. Encore heureux. Ça, c'est détruit. Celui-ci, il va faire 1, 2 et 3. Non, il va attaquer le squelette. 3 dégâts. Eh ben c'est parfait parce qu'il a que 2 points en défense en dé. Il ne peut pas faire 3. Donc ça c'est fait. Ensuite on a l'elfe qui va faire du coup 1, ouvrir la porte. Tac. Et il a fait 8. Donc 1, ouverture de porte. Ah, une nouvelle porte ici. Voilà.
Aïe, 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 aïe. Voilà, c'est chaud. Là, ça va être compliqué. Hein. Ouh, des momies, des machins. De toute façon, on va aller taper. Hein. Un ici, je tape le squelette. J'ai du coup 2 dés. Je fais 2 dégâts. Et le squelette, il est mort. Allez, c'est parfait. Tac. Hop, le squelette, il est mort. Le sorcier. Le sorcier. Il va du coup faire 1, 2, 3 à côté de la momie. Et il va faire son djinn. Il a 2 djinns de toute façon. Donc il lance 5 dés. Hop. Contre la momie. Il fait 3 dégâts. Et la momie, elle a 4 dés de défense. Et elle fait rien, donc elle est automatiquement morte. Voilà, ça c'est bon. Bon, ça c'est un petit peu le ménage quand même. C'est quand même pas mal. Il reste pas beaucoup de. Il reste pas beaucoup de strum et tout. Bon. Je regarde un peu, mais là je crois que je peux pas faire mieux. Salut à GeoGeo78, à Gold. Gold, j'ai déjà vu, pardon, à Ghostfra, qui vient d'arriver. Qui du coup peut-être a eu la notification ce soir. Du live. Alors, lui il doit se défendre avec 3D. C'est bien 3D, hein. J'ai des potions de guérison. Bon, ça va, je vais avoir des trucs quand même. Et c'est bon. Donc, j'essuie l'attaque. Et j'imagine que l'autre se barre au plus loin. Voilà. Et j'ai la momie. La momie qui attaque pas encore. Ok, donc, lui, il va attaquer le nain. Il fait un dégât. Oh là 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 là. Je suis à 3 PV avec le nain. Et heureusement qu'il n'y a rien avec le zombie. Donc, lui, j'imagine qu'il va partir exactement ici. Tac. Et la momie qui fait un dégât et j'ai 5 dés de défense avec l'elfe. Et je me prends rien du tout, heureusement que j'ai fait un bouclier. Et celle-ci va partir. Tac. Ok. Je vais commencer avec cette partie-là. Je vais utiliser le djinn pour attaquer encore une fois ici. Donc je suis à 5 dés sur la momie, je fais 3 dégâts et ben c'est parfait, encore détruit, ça c'est bon, voilà, c'est terminé. L'elfe il va faire 1, 2 et 3 et il va attaquer du coup avec 2 dés, il fait rien, bon, c'est pas grave, on va laisser ça ici. Le nain il va attaquer du coup, il fait un dégât et il le bute. Oh là, comme ça au moins c'est mieux. Donc ça c'est terminé. Et on va jouer le barbare qui va faire 4, 1, 2, 3 et 4 et qui va attaquer avec 4 dés. Qui fait 2 dégâts et c'est parfait. Donc ça c'est détruit aussi. Allez, bim, le petit nettoyage qui va bien. Le squelette qui va m'attaquer du coup avec 5 dés de défense. Eh ben c'est parfait, j'en ai essuyé 3. Et j'imagine qu'il va partir. Voilà, il se met là-dessus. Tac. Alors le nain, on va essayer de descendre. Alors il fait 5. On enlève cette porte, on en met une nouvelle. On fait un vers le bas. Tac. Ah ah ! Voilà la porte où on peut sortir. Oh là 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 là, c'est ça ici. Et ça ici. Tac. Hop. Et ça c'est mort. Hein. Hop là. Donc j'ai fait un. Et ensuite je vais chercher des pièges. Oh la vache, un piège juste là quoi. Ouh là là, le piège juste à côté. Qui
qui m'a roussi les poils de fesses. Alors, je suis à 2 avec lui. 1 et 2. Oh, ça va pas aller loin. Avec l'enchanteur, je vais faire 1, 2. Je vais attaquer avec mes 2 dés. Je fais rien. Oh, lui, je fais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Non, je vais descendre. Alors, 1, 2, 3. Et j'ouvre. Hop. Et je me mets là. Voilà, il y a aussi un... J'ai oublié. Il y a aussi un... Il y a aussi un truc ici. Merde, je n'ai plus de petits symboles. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre un symbole comme ça pour dire que là aussi, il y a un piège. Voilà. Et lui se met carrément ici. Tac. Je pense qu'on a fini. Tour de Zargon. Donc lui, il va m'attaquer. Alors, il m'attaque avec un dégât et séparé. Et il se barre ensuite ici. Je vais le pourchasser, hein. Très honnêtement. Tac, je vais me mettre là. Hop, en espérant qu'ensuite... Je le bute maintenant. 2 dés, 2 dégâts. Et parfait. Allez, c'est terminé. On n'en parle plus. Bon. Alors, l'elfe. L'elfe qui va sauter. Votre nombre de cases doit tenir compte. Oui, ok. Alors, on fait notre lancer. Et on a un crâne. Et on peut traverser en toute sécurité le piège. Superbe. Donc on fait 1, 2, 3, 4, 5. Hop là. Et voilà. Donc ça c'est bon. Le nain. Le nain qui fait 9. On va sauter. Alors. Et je fais un crâne. Alors ça c'est mort ça. Là il y a des fléchettes empoisonnées. Et ben là je me prends un dégât. Hein. Allez, vous avez été touché. Bim. 2 PV. Donc je suis à 1. Donc ça, c'est y est. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et je pense que de toute façon qu'on a fini la quête. Et 9. Yes. Le barbare qui fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Qui va se mettre là. Tac. Et de toute façon, c'est terminé. L'elfe qui est là, il ouvre, il s'en va. Celui-ci, il ouvre, il s'en va. Je les fais tous sortir, hein, parce qu'il n'y a plus rien. Hein. Ça y est, j'ai pas besoin de sortir par cette porte, là, physiquement. Parce que du coup, il n'y a plus rien à faire. Voilà. Ok. Et nous avons celui-ci. Alors, celui-ci, c'est un peu particulier, donc on va le jouer. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va se refaire un tour. 1, 2, le piège. On va sauter. Oh là là. 1 dé. Tac. Et j'esquive. Et c'est bon. Et on sort avec lui alors. Eh bien, c'est une réussite, ma foi, qui était quand même un peu chaude. Hein. Voilà. Vous avez prouvé que vous étiez des guerriers courageux et habiles face aux pièges mortels, aux adversaires de ces galeries. Vous devez maintenant avancer vers le passage en spirale. Ah, bah voilà. Je vais me prendre une petite pause et je reviens. On finira avec le passage en colimaçon, parce que celle-là était très rapide. Et voilà, ça en fera deux pour ce soir et c'est ma foi très bien. Et je reviens dans pas longtemps.
Hop, allez, on se fait le petit dernier donjon qui est... Il y a un truc qui est tombé chez moi, mais je sais pas où c'est. Bon, je chercherai après, c'est pas grave. Qui est le passage en colimaçon. Alors, hop, je vous enlève la voix, enfin, ça pue. Alors, une autre porte en fer géante se tient devant vous. Au-delà, vous trouverez une série d'escaliers menant à la grande citadelle. Ceux qui empruntent ce passage ont souvent l'impression de tourner et de s'enfoncer sans cesse vers le cœur même de la montagne. Votre objectif est de trouver l'escalier en colimaçon. Il vous amènera plus profondément dans la montagne et plus près de la grande citadelle. Attention ! Les orques ont peut-être posé des pièges pour se protéger des attaques. Mais tout à fait ! Alors, du coup, on commence de l'autre côté. On se trouve ici. On va enlever toutes ces balivernes en espérant qu'il n'y en ait plus autant. Parce que quand même, on s'est quand même pris une bonne gifle. Hein. Alors ça, ça vient là. Voilà, tac, tac, tac. Ça, ici. Hop. On va les laisser au milieu. Hop, ça, on va les enlever. Et ça, hop, on va tout enlever. Et on va commencer de ce côté. Donc on va les laisser en dessous. Hop, hop, et hop. Alors, bon, ça commence. On doit partir tout droit. Parce que là, il y a un piège. Oh, il y a un piège, pardon. Il y a un truc, machin. Ouf. Et il y a un escalier. Tac. Qui se trouve. Trouver le passage en spirale. Ok. Ok. Alors, et ça, du coup, c'est là. Ah, c'est pas le grand truc, alors. Il va falloir que je dépunche. Ce n'est pas ce grand truc-là, c'est un petit truc. Voilà. Hop. Et on va mettre ça ici. C'est ce truc-là qui se met là. Voilà. Tac, on a une sorte de d'établi et tout. Putain, je fais tout tomber, des squelettes, des machins. Alors, le barbare. Et ouf. Oh là là là, j'ai oublié. On a une porte ici. On a une deuxième porte ici. Oh là là là, donc c'est parti pour... pour avancer dans les ténèbres. Je regarde un petit peu, mais non, c'est bon. Donc j'ai tout fait. Là, c'est bon. Allez, on commence avec le barbare. Le barbare qui va faire 1-2. Franchement, j'ai tellement peur que je m'arrête. Et je vais chercher des pièges. Donc, action, chercher des pièges. Aucun piège. Eh ben, c'est bon. Alors, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va mettre ça ici. Voilà. On va prendre le nain qui fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Juste derrière l'elfe. Hop. Et nous avons l'enchanteur qui fait du coup 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et qui se retrouve, grand téméraire dont il est, qui se retrouve ici. Hop. Et fin de tour. Le barbare. 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Pas très vite quand même. Pas fifou. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Rocher roulant. Un énorme rocher est libéré d'une trappe dans le plafond et roule vers vous, fuyez. Ah putain. Le rocher s'écrase dans le couloir et vous renverse sur son passage. Vous entendez un craquement d'os nauséabond et une douleur aiguë vous parcourt le corps. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel là? On peut pas être tranquille. Alors, placer les trucs suivants. Alors, le rocher est contrôlé par Zargon. Pendant son tour, appuyez sur le tour de Zargon lorsque vous avez terminé. Ah, mais il va m'écraser. Punaise, oh là là. Bon, il est où ce truc-là, là? Bon, fin de tour avec lui. Et... voilà, il se trouve ici. Crah, il y a un truc là qui... il y a une boule là qui court après nous, là. C'est pas mal ça, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas ce truc-là. Ok, donc on a une grosse boule. Et on est obligé de courir. Donc l'elfe, eh ben l'elfe, ma foi, vite. Hein.
Donc il va faire du coup 6, 7, 8. 6, 7, 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il se retrouve. Ah putain, je casse tout. Tous les trucs partent à côté. Hop là. Donc, lui, il se trouve ici, 6, 7 et 8, juste à la sortie du petit escalier. Voilà, et en même temps, il y a ça à côté, donc il va falloir aller tout droit. Et je vais chercher des pièges, on sait jamais, ça fait peur. Pas de piège. L'enchanteur. Non, elle n'est pas poilue, elle n'est pas vendéenne aussi. L'autre, c'est l'enchanteur, il fait 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tout le monde court là. Hein. Tout le monde court quand même. Oh là 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 là, quelle misère sociale. Et nous avons le nain à 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et il va falloir courir de ouf. J'ai peur pour le barbare là parce que il est vraiment à côté. C'est chaud, hein. C'est chaud quand même. Tour de Zargon. Barbare, vous avez été touché par le rocher roulant. Lancez 5 dés d'attaque et chaque crâne, je me prends une gifle. Oh là là. Oh Dieu merci, un seul. Hop, 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 hop. Alors je me suis pris un seul truc, mais par contre le rocher roulant c'est aussi pour le nain. 5 dés pour le nain. Oh putain la vache. Donc j'oublie pas, j'ai un PV pour le barbare. Et lui il s'en prend 3. Hein. Pouh. Alors 1 pour le barbare et 3 pour le nain. Ah là 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 là. Et 3 pour le nain. C'est violent ça. 4 PV. Hein. C'est d'une violence ce truc-là. Oh lolo. C'est vraiment une violence. Bon, eh ben il va falloir rentrer dans les salles là parce que c'est chaud. Parce que c'est chaud. Donc ça, c'est ici. Hop. Tac. Putain, le. Eh mais j'avais jamais vu ce truc là, cette petite méca, elle est quand même sympa. Hein. J'ai jamais fait cette quête, ni même cette extension, tout bonnement. Alors 6. Donc 1 et 2, j'ouvre. Allez, vite, vite, vite. J'ouvre la porte. Une nouvelle porte ici. Une porte ouverte là-dessus. Oh putain. Alors. Un mec ici. Un gars ici. Un gars ici. Putain, il y en a mastoc. Un mec ici. Et j'ai un orc ici. Waya. Je pense que je vais rentrer. Hein. Là, j'ai tellement peur. Hein. Et avec l'elfe, je vais rentrer aussi. Allez, hop. Je vais me mettre ici. Tac. À côté. Voilà. Et j'attaque. Et je fais deux. Parfait. Lui, il est mort. Donc ça, c'est terminé. L'elfe. Ah, l'elfe, il faut qu'il fasse. Ah, c'est bon ça. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2 et 3. Je vais me mettre ici. Je vais attaquer l'orque parce que j'ai deux attaques. La première attaque, ça fait 2. Et il est mort. Bam. Allez, c'est bon. Voilà, comme ça, les deux sont safe au moins. Sinon, c'était un peu chaud. Voilà, ça, c'est mort. Salut. Le nain. Le nain, le nain. Le nain, un 5, c'est chaud, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est compliqué. Hein. Et 6, je pense que je vais rester ici, avec lui. Et si elle revient en arrière, je suis dans la merde. Alors. Donc lui. Tac. Il se retrouve ici. Et le barbare, juste derrière la boule. Et tour de Zargon. Et ouais, encore 5 dés. Et encore 5 dés avec le nain. Un dégât, putain, j'ai vraiment de la chance. Un dégât. Et la boule. Oh putain, elle est devant la porte, je vais pas pouvoir rentrer. Oh merde. Il va falloir que je trouve un nouveau truc. Donc lui vient ici.
Et j'ai 3 dés de défense. Et je me prends du coup 0. Ça, c'est bon. Ensuite, lui se met à côté aussi. Je me prends que dalle, c'est parfait. Et là, potentiellement, je me prends 1. Mais je me prends rien. Bon, c'est bon. Et il se barre, bien évidemment. Il se met au plus loin. Ok. Bon, alors, je vais prendre l'enchanteur, pardon. L'elfe qui va se mettre ici et qui va attaquer l'orque qui fait un dégât. Et c'est parfait. L'orque est mort. Donc, ça c'est fait. Ensuite, on va avoir l'enchanteur qui va attaquer sur sa gauche. Il ne fait rien, malheureusement. Il reste là. Le nain. Le nain. Bah, le nain, il fait 1 et 2. Hein. Ah, il peut rien faire d'autre. 1 et 2. Et il cherche peut-être des passages secrets. Mais il peut rien faire. Hein. Et le barbare, il peut rien faire aussi. Hein. Il fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, donc, on a les deux mecs qui sont emmuraillés ici. Et on peut pas les rejoindre. Ça, c'est un peu chiant, quand même. Oh là 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 là. Bon. Eh ben, c'est le tour de Zargon. La boule va encore avancer. Voilà. Alors, 5 dés. Parfait. J'ai tout essuyé. Et le nain sort. Celui-ci sort. Il se retrouve ici. Celui-ci, la boule a continué vers ce chemin-là. Ok. Et lui va venir attaquer. J'imagine qu'il vaut mieux attaquer en fait l'elfe. Bah, de toute façon, il attaque l'elfe. Donc je me prends 2 dégâts potentiels que j'essuie. Parfait. Et là, on est bon. Alors l'elfe, il attaque. Il fait 1 dégât. C'est essuyé par l'autre. L'enchanteur, il fait 2 dégâts. On sait que c'est terminé pour lui. Donc ça, c'est fait. Le nain fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, juste à côté, pile poil, et il va attaquer. Hop là. Avec 4 dés. Il fait 1 dégât. Et il est mort. Tac, ça c'est bon. On lui enlève ça. Et nous avons le barbare qui va faire 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et qui va rester ici. Tac. Et là, on est plutôt pas mal. Là, on est bon. Tour de Zargon. Donc ça, elle s'est cassée. Et ça devient un petit truc comme ça. Tac. Voilà, elle s'est écrasée. Le barbare, qui va faire 6. Donc, qui va se, du coup... Hop là. On ouvre la porte. On se retrouve avec une petite caisse. Une porte ouverte. Qui se retrouve ici. Tac. Et bah putain, avec deux hommes poissons. Le premier est ici. Le deuxième est là. Est-ce que je viens attaquer? Je pense que je vais maintenir... Là, il n'y a rien. Je vais maintenir la fuite là pour que les mecs ils se barrent. Je vais faire ça. Le nain. Il fait 4. Il fait 6, pardon. 1 ici. On ouvre la porte. Tac. Ça fait quand même beaucoup de personnes encore. Ça nous fait un monstre, un profond, qui se retrouve, hop là, ici. Voilà, on a un profond qui se retrouve ici. Alors moi je suis là. On a ensuite un petit gobelin ici. On a un orc ici et on a un autre petit gobelin ici. Et je pense que du coup il reste combien de PV à lui? 4 PV. Hein.
4 PV. On va enchaîner. Hop, je vais mettre là. Et on va enchaîner l'homme poisson. Avec 2 dégâts potentiels. Et il se prend que 1 dégât. Hop là. Il lui reste 1 PV. Donc le barbare à jouer, il reste là. L'elfe, il fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Il se retrouve ici. J'aurais peut-être dû prendre l'arbalète avec lui. Hein. Et l'enchanteur qui fait 8. Et qui va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et qui va se mettre devant. Et qui va balancer un djinn. Encore une fois, j'ai pris un 2. Je prends tout le temps des djinns, mais je le dirai la prochaine fois, c'est mieux. Est-ce que je fais un djinn ou j'attaque? Je vais attaquer l'homme poisson. Ou. Non, je vais essayer de. Je vais essayer avec un sort de feu qui lui met un dégât et comme ça c'est bon. Comme ça il meurt potentiellement. Alors, je vais utiliser le sort de feu, lancer un sort. Le sort de feu qui est le feu de la colère. Lancer le sort sur l'homme poisson. Parfait. Et il est mort. Voilà. Hop là. Donc ça c'est fait. Et le barbare, tout ça, tout est bon. Allez, tour de Zargon. Donc l'homme poisson qui vient me taper, c'est celui-ci. Hop là, on va le mettre là. Tac. Et tac. Putain, les figurines là, font chier un peu. Et ben 3 dé 2 dégâts potentiels. Hein. Et j'en essuie un. Donc je suis à 6 PV. Bon, ça va. L'autre poisson, il se met en haut. Tac. Et nous avons ensuite un orque qui vient à côté de Bibi et qui va m'infliger 2 dégâts potentiels. Et j'en essuie 2, donc c'est parfait, je prends rien. Ensuite, on a le petit gobelin qui se met ici et qui va attaquer du coup peut-être. Et ben le, encore une fois, l'enchanteur. Qui essuie encore une fois, putain, c'est formidable. Essuie l'attaque. Et celui-ci qui va attaquer le nain cette fois-ci et qui a 3D le nain. Et qui fait rien, heureusement. Alors, je vais attaquer avec 3D. Je fais un dégât. Qui est essuyé. Et ensuite, je fais du coup. 1, 2, 3 et 4. Je vais les maintenir. 4, 5, 6, 7. Voilà. Je vais maintenir ici. Comme ça, ils pourront pas attaquer à 2. Ensuite, je joue l'enchanteur qui attaque le petit gobelin en bas. Qui lui fait 1. Et c'est parfait. Il est mort. Et l'enchanteur va ensuite bouger. 1, 2, 3, 4, 5. Il va se mettre là. Ok, je vais prendre ensuite 4, donc je vais faire 1, 2, 3. Je vais me mettre ici, je vais attaquer deux fois. Première, un dégât, c'est essuyé. Deuxième attaque, un dégât, et c'est bon. Tac, heureusement que j'ai eu l'arme là et pourfendeur de trucs, des orques. Ça me permet d'attaquer deux fois sur un orque, ça c'est bon. Et 4 dégâts. Hop, oh bah c'est. Ça c'est terminé aussi ça. Voilà. Ça c'est terminé aussi. Eh ben c'est bon, c'est le tour de Zargon. Donc lui va avancer, voilà. Donc celui-ci va se mettre ici. Tac. Et celui-ci va se mettre ici, devant la porte. Donc ils avancent à 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ouais, potentiellement, ils peuvent avoir tout le monde après. On va peut-être se ranger sur le côté droit. Alors, l'enchanteur. Chercher les portes secrètes. Yes. Une porte secrète ici. On va pouvoir se barrer. Qui se trouve là. Et on se casse.
Et l'enchanteur fait du coup 8, 1, 2, 3. Allez, c'est parti. Avec une nouvelle porte. Ici. 1, 2, 3, on rentre, voilà. Et on se met là. Tac. Le nain. Il fait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il se met devant la porte. Ok. Et je vais essayer de voir s'il n'y a pas du coup des pièges ici. Aucun piège. L'elfe, il fait 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Il se met juste ici. Et le barbare fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il attend juste ici. Hop, comme ça on va les ramener petit à petit. Voilà. Et je vais chercher des portes secrètes ici. Aucune porte secrète. Donc lui va se mettre ici. Et l'autre va se mettre quelque part d'autre. Et l'autre va se mettre ici. Tac. Oh là là. Putain, mais les bâtons des mecs aussi. Donc ça c'est là. Et ça c'est là. Le nain qui va faire 8. Hop, il ouvre la porte. Il se met du coup là. En avant. Hop là. On a un petit escalier encore. Putain, je sens la boule. Je sens encore une fois la boule. J'ai l'impression que ça va être encore ce truc chelou là. Donc ça c'est ici. Alors, je vais faire 1. Donc j'ai fait 8. Donc 1, 2, 3, 4. Un truc ici. Tac. 4, 5. Ah putain. Lancer un dé d'attaque. Hop. Et j'esquive la lance. 6, 7, 8. Ok. Et je cherche des pièges. Oh là 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 là. On a un piège ici, là. Hop là. J'en suis sûr, c'est encore le truc, le boulier, là, chelou, là. Alors, l'elfe. L'enchanteur, plutôt. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 qui se retrouvent là. Hop. Donc lui il va vite. Et il va chercher des salles secrètes. Aucune salle secrète. 10 aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il se met juste à côté. Et là, j'en suis sûr que dès que le barbare va sortir, ça va être la merde. Et le barbare, il fait combien? Il fait 5. Ah, 5, c'est chaud. Il va peut-être pas sortir maintenant. 1, 2, 3. Lui, il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Ah, de toute façon, il va attaquer. Eh ben, ma foi, je vais rester devant. C'est pas grave. Je vais rester devant pour... Parce que sinon, c'est deux mecs qui vont venir m'attaquer. J'ai pas envie. Tour de Zargon. Voilà, lui il vient, il attaque. Hop. Salut à Maxou78800 et Dokota qui me dit Hello, toujours sur Kellarskip? Oui, toujours. Je me suis endormi la dernière fois avant qu'était commencée la première quête. Ouais, c'est la troisième quête de la forteresse de Kellar. Donc, c'est pas le jeu de base du coup, Maxou. C'est la première extension qui suit le jeu de base, avec toujours l'application mobile que je vais changer pour un système de cartes qui est fait par Gravaillon. Comme ça vous donnera l'opportunité de voir que c'est plus dynamique et c'est même plus simple à faire. Donc, j'ai deux hits à essuyer. Donc, je prends les 5 dés et j'essuie les deux. Parfait. Et celui-ci se retrouve là-dessus. Ok, alors. Bon, 3 dés d'attaque. Je fais 2 dégâts.
Oh là là, pff, les poissons, ils vont me faire chier. Du coup, je vais m'enfuir. Et je fais 12 à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, j'aurais dû bouger ça avant. J'aurais dû bouger ça avant. Oh là là, parce que là, je ne grappille rien de plus, malheureusement. Hop. On va jouer du coup l'enchanteur qui fait 6. 1, 2, 3, 4. Alors, on a un truc ici. Et on a ensuite encore un petit escalier. C'est pas mal là, ce côté escalier. Franchement, j'aime beaucoup. Alors, l'escalier qui se trouve du coup ici. Voilà. Et une nouvelle porte, du coup, ici. Tac. Ok. Donc j'ai fait 4 et un gobelin qui se trouve ici. Voilà, je suis à 4 et j'ai fait 6, 4, 5, 6. Et je n'ouvre pas la porte qui était là, pardon. Et je vais chercher quand même des pièges. Ah, mais je ne peux pas. Mais je ne peux pas parce qu'il y a un monstre. Ah là là. Le nain qui fait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui va se mettre devant. Hop. Donc on peut dire que eux, s'il y a une boule, ils sont safe. Voilà. On va prendre l'elfe qui fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 juste à côté. Et lui aussi, il est safe. Tac, merci à Maxou pour ton abo de Prime. Super sympa. Suivez la route les autres là, vous êtes une trentaine. Comment c'est possible qu'il n'y ait eu que deux abonnements là? C'est pas possible. Oh là là, les bandes de gougnafiers. Je crois que c'est bon avec lui. Hein. Tour de Zargon du coup. Alors eux, ils s'en vont aussi. Ok, donc le premier homme-poisson, il se retrouve ici. Bon, ils ont appelé ça des abominations, mais j'avoue, je préfère le terme homme-poisson un peu. Et ça, ça se retrouve ici. Hop, tac. Oh là là, ces hommes-poissons qui remplacent les fimières, quand même, c'est pas si foufou. Et lui, du coup, il se retrouve où, le nain, là? Eh ben, il se retrouve ici, hein. Eh, c'est la cavalcade. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va peut-être faire le nain, qui fait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En espérant qu'il n'y ait pas de couac. Hop. Ah, voilà, je le savais. Bah, bien sûr. Mais bien sûr. Putain, c'est pas possible. Et voilà, un dégât. Et allez, 3 PV. Hein. 3 PV. Oh. L'enchanteur, il va ouvrir. Il fait 6. Hop. Il ouvre la porte. Une nouvelle porte ici. Tac. Oh putain. Alors, j'aurais peut-être pas dû ouvrir cette porte. Alors, un homme poisson qui se trouve ici. Tac. Avec un orc et avec un autre orc. Oh lolol. Ça en fait beaucoup. Oh putain la vache. Oh là 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 là. Ça en fait beaucoup là, c'est chaud. Allez, j'en ai rien à foutre. Je vais me mettre ici. Tac. Et je vais faire le sort de Jean. Donc 5 dés sur l'homme poisson. Hop. Je fais 3 dégâts potentiels. Et il en essuie 1, donc il est mort. Voilà, bam, ça c'est bon. Ah ça, le sort de Jean, il est trop fort. Je prends cette fois-ci l'elfe, je fais 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Je me mets ici. Et je vais attaquer l'orque deux fois. Première attaque, c'est un dégât, c'est essuyé. Deuxième attaque, c'est 2 dégâts. Et c'est mort, bam. Allez, ça c'est bon aussi. C'est terminé. Et du coup, le barbare fait du coup 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et il se retrouve ici.
Ok, bon, là il a cavalé un peu le barbare. Il a quand même un peu cavalé. Et je pense qu'on est bon. Les hommes poissons qui me suivent. Alors, lui, il se retrouve ici. Et l'autre homme poisson encore derrière là. Et lui qui se retrouve ici. Tac. Voilà, il va falloir vite se barrer. Alors, celui-ci vient là, il va m'attaquer. J'ai 5 dés de défense avec 2 attaques. J'en essuie une. Ça fait 5 PV, bon, ça va. Et l'autre va venir attaquer, j'imagine. Ouais. Il va venir attaquer mon petit mage qui se met là. Tac. Et qui fait un dégât. Et c'est essuyé. Oh là 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 là. Il a une aura magique, ce gars. Donc lui, il vient ici, il va m'attaquer. Voilà. Ah, j'ai 3 dégâts du coup. Ah bah rien, je me prends un dégât. Oh, il est à 2 PV quoi, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Hein. Je vais commencer avec l'elfe. Rien, deuxième attaque. Un dégât. Parfait. Donc ça c'est mort. Heureusement qu'il y a deux trucs. Je vais ensuite prendre le barbare qui se met là avec 3 dés. Je fais 2 dégâts. Parfait. Il est mort. Donc ça c'est fait aussi. Tac. Je vais utiliser le nain. Qui fait du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tac. Et qui va se mettre là. Je n'ouvre pas. Et avec lui, je vais faire 1, 2. Je vais me mettre ici. 1 et 2. Et je vais faire un sort de soin. Et je reprends 4 PV. Donc je suis à 6 PV avec le nain. Parfait. Comme ça, je suis tranquille. Là, c'est plutôt pas mal. Tour de Zargon. Ah, ça y est, ils ont pu me choper. Ah, les salauds. Alors, un dégât à essuyer avec 5 dés de défense. Ah, je prends pas rien du tout. Lui se met bien évidemment derrière. Voilà, il suit son pote. Et le gobelin va venir chez moi. Voilà. Il vient ici. Il me fait un dégât. Et ben je le prends. Hein. Ça vient des petites merdes que je deviens blessé. Alors avec le barbare, j'attaque l'homme poisson. Je fais un dégât. Et l'homme poisson prend un dégât. Tac. Ensuite, je vais faire du coup. Comment je vais faire ma petite tambouille? Il a combien lui de PV? 5. On va retenir, on va laisser nos potes partir devant. Donc hop là, lui se met là. Tac. Voilà. Et lui est ici. Allez, c'est parfait. Le nain va ouvrir la porte. Il fait 8. Tac. Le nain, il ouvre. On a une cheminée. Il est fait bon vivre. Tac. On se retrouve avec un homme poisson encore. Oh là 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 là. Eh ben, il va faire du coup 1 et 2. Et il va venir attaquer. Avec 4 dés. 4 dés sur l'homme poisson. Ah, il me faut que des crânes là. Ah, 2 crânes, c'est pas mal. Et il en essuie un. Il lui reste 1 PV. L'elfe. Il va faire du coup. 1, 2, 3, 4, 5. Il va se mettre à côté et il va attaquer. Avec 2 dés. Il fait un dégât. Oh, c'est essuyé. C'est pas possible. Oh là là. Et je me retrouve avec l'enchanteur. Qui fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Qui va se mettre en dessous. Et qui va essayer de le détruire. Il fait rien du tout. Il ne fait absolument que dalle. Hop.
Et là, on est bon. Tac. Allez, c'est parti. Donc lui, il se met devant. Lui, il va se mettre là. Deux dégâts essuyés. Et bien, un dégât qui part. Donc je suis à 4. 4 PV. Lui se met à côté, ok. Le gobelin ne fait rien. Lui, il attaque l'elfe. Je prends un dégât. Je suis à 4 PV. Croulolo. Et il se met 8 à côté. Ok. Et lui se barre. Il a tout intérêt à se barrer, effectivement, pour rester en embuscade. Tac. Le barbare, il va attaquer avec 3D. Il fait 2 dégâts. Oh, c'est pas vrai, c'est paré encore. Bah, je vais rester là, je vais encore rester. Ah, quoique non, lui, il va attaquer, il va se barrer. Donc, du coup, je vais bien me cassos. Et je fais 3. Ah, je vais pas aller loin. 1, 2 et 3. Ouais, je vais pas aller loin. Donc, est-ce que c'est mieux de se barrer parce que les deux vont rentrer? Je vais rester là encore, c'est pas grave. Je vais prendre 2 attaques de suite, mais c'est pas grave. Le nain, 4 dégâts. 4 dés, pardon. Il fait 2 dégâts. Et c'est bon. Donc, ça, c'est mort. Voilà. Et je vais peut-être sortir. 6. Ah, 6, ça pue. Je vais me mettre ici. Devant la porte. Ok. Non. Ensuite, j'ai l'elfe qui fait 9. Je vais peut-être sortir avec l'elfe. Ah non, merde. Alors attendez. Je vais faire ça parce que du coup, l'elfe, je n'ai pas joué. Je vais faire 1, 2, 3. Je vais me mettre devant. Voilà. 1, 2, 3. Ouvrir. Tac. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et je vais attaquer. Voilà, comme ça, lui est mort. Bam. Allez, c'est terminé. On n'en parle plus. Ouf, et il y avait... Hop. Il y avait un petit piège. Et il y avait ce truc-là aussi. Tac, donc je me prends moins 1. 3 PV. Le sorcier cette fois-ci, le sorcier qui va... Putain, pas ça. Le sorcier qui va faire 4, 1, 2, 3 et 4. Et qui va peut-être lancer un sort, mais sur celui-ci ça ne sert à rien. Il va attendre pour le prochain. Ouais. C'est pas mal. Il va attendre pour le prochain. Tour de Zargon. Alors, un dégât de l'abomination. Séparé. Putain, je fais que des crânes avec ce truc-là, c'est pas possible. Tac. Et lui, il se barre. Et lui, bien sûr, va venir ici. Voilà. Et il va venir attaquer. Putain. Encore une fois, 2 dégâts essuyés. Et ben, c'est essuyé, c'est parfait. Je vais pas trop me prendre la tête. Bon, si, allez, je vais lancer 3D. Voilà, 3 dégâts, ça c'est bon. Allez, c'est parfait. Lui, il est mort. One shot, c'est très bien. Bim. Et on se casse. 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on se met à côté. L'elfe, du coup. On a 12. C'est pas mal, ça. Alors, avant de faire ça, il va quand même chercher des pièges. Ah ouais. Alors, attention, parce que on a potentiellement un piège ici. Voilà. Mais il va faire 12. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh là là, il a tracé le gars. C'est la fusillée quoi. Apollo. En espérant que c'est pas la même chute. Alors, donc là. Ok, donc on a encore un autre petit escalier. Ah, décidément. Il y a beaucoup d'escaliers là. On a un autre escalier. Alors, 1, 2, 3, hop, et 4. On se retrouve ici. On a ensuite une petite salle ici. Et nous avons un coin qui nous dit que ceci est inaccessible. Et nous avons un petit gobelin juste devant. Tac.
Nous avons joué le barbare, nous avons joué l'elfe, on va jouer le nain. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ah, lui, il cavale aussi. Hein. Tout à l'heure, avec la boule, c'était chaud, mais là, il y va. 1, 2 et 3. Lui, par contre, c'est pas fifou. Hein. Tac. Ok. Qu'est-ce qu'on fait, du coup? Bah, c'est la fin de tour. Hein. C'est au tour de l'homme poiscaille. L'homme poisson qui se remet là. Oh là, il casse tout en même temps. Voilà. Et nous avons lui qui va venir chez nous. Tac. Et qui va nous attaquer. Avec 5 dés de défense. C'est essuyé. C'est parti pour l'elfe qui fait un dégât. Et c'est essuyé. Oh là 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 là. On va peut-être s'enfuir. Et laisser la place au nain. On va faire juste 1 ici. Le nain. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Qui prend la place et qui va venir attaquer. Avec un dégât. Putain la vache. Et ça le fait, heureusement. Donc ça c'est fait. Hop. Ça, ça se met là. Lui il est mort. Hop. Et lui a pris sa place. Nous avons ensuite l'enchanteur qui fait 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Qui se retrouve du coup ici. Tac. Et nous avons le barbare. Qui va faire 5. 1, 2, 3. Putain. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Qui va se mettre ici. Hop là. Il va pas vite, hein. Donc, lui, il se met là parce qu'il prend pas les problèmes et il ne fait rien. Avant de partir, attaque du barbare avec 1. Et c'est parfait, il est mort. Tac. Et le barbare va pouvoir se barrer. À 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, décidément, il ne va pas vite. Hein. Le nain qui avait sprinté. Et qui continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui se met juste là. Hop. Et qui va fouiller s'il n'y a pas de piège. Eh, un petit piège quand même ici. Hein. Un petit piège ici quand même. Tac. Voilà. L'elfe. Qui va du coup faire 2. 1 et 2. Il est fatigué lui, j'ai l'impression. Il a tapé un marathon tout à l'heure, il était fatigué. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui se met ici. Et qui va chercher, lui, des portes secrètes. On ne sait jamais. Pas de porte secrète. Le barbare. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Putain, il est loin, le barbare, il est loin. Il est super loin. Le nain. 6, 1, 2, 3. Il se met juste là. Alors, le nain. Voilà, il ouvre la porte. Avec un truc ici. Avec une table. Ici. Et avec surtout une porte ouverte. Ici. Et nous avons... une petite merde. Nous allons ensuite avoir un orgue. Et un nouvel orque. Juste là. Ok. Eh bien, je vais venir attaquer. Donc, je vais rentrer. Et je vais attaquer la petite bête au-dessus. Tac. Avec 4 dés. Voilà. Ça, c'est détruit. Tac. Je vais jouer ensuite l'elfe qui fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, et il est à côté, il ne pourra pas. L'enchanteur. Qui fait 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ah, malheureusement, il est à l'intérieur. Je pense que je vais utiliser un truc de feu. Comme ça, ça fait moins d'attaque. Allez, lancer un sort. Un sort de feu. Et je vais utiliser boule de feu. Tac. Voilà. Bam.
Il me reste un djinn, la guérison et il me reste le courroux de feu. Non, je l'ai utilisé, la boule de feu, j'ai utilisé. Il me reste après tous mes sorts devant. Et je crois que j'ai fait tous les trucs, c'est bon. Donc, tour de Zargon. Alors, j'ai deux dégâts sur le nain. Ouf. Je suis à 4 PV avec le nain. Et lui, bien sûr, va s'enfuir ici. Voilà. Ok. Bon, l'elfe. Il fait 5. Oh la vache. 1, 2, 3, 4 et 5. Oh, il m'a manqué que de 1, quoi. Pour faire 2 attaques. Oh, c'est moche. C'est tout à fait moche. Donc, ça c'est bon. On va jouer ensuite le nain. Qui fait 4. Oh, c'est pas vrai. 1, 2, 3 et 4. Pile poil. Avec 4 dés d'attaque. Il fait 2 dégâts. Et c'est parfait. Ça suffit amplement. Tac. Ça c'est détruit. L'enchanteur qui va faire 1. Ouverture de porte. Tac. Avec un ogre. Un orque, pardon, ici. Et c'est tout. Il va falloir sortir. Il bouge à combien déjà l'orque? Il bouge à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et bien je vais le mettre là. Je vais ensuite le remettre ici. Voilà, pour pas qu'il se fasse attaquer par l'orque. Et j'ai bah, le barbare. Hein, qui fait du coup cette fois-ci 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Attendez-moi, j'arrive. Et un peu fatigué lui aussi. Hop. Et là, on est plutôt bon. Tour de Zargon. Donc lui va arriver ici. Tac. Si j'ai bien calculé. Yes. L'elfe 1 et 2. Il vient ici, il attaque deux fois. Première attaque. Hop, c'est bon. Donc ça, c'est foutu. Allez, ça, c'est terminé. Tac, tac et tac. L'enchanteur. 1, 2 et 3. Il sort. Tac. Il va se retrouver à du coup faire chercher des pièges. Pas de pièges. Ok. Ah, a l'air chelou quand même cette mine là. Le nain. 10. 1, 2, 3, 4. Ah, elle était là, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Il se met ici. Hop. Et 10 est là. Voilà. Et 10, ça se met là. Eh bien, nous avons une fermeture ici. Et il va chercher des portes secrètes. Pas de portes secrètes. Je crois qu'on a fait tout le monde. Hein. Un nouveau tour. On va prendre le barbare. Qui fait du coup 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, devant la porte. Ensuite, l'enchanteur qui fait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va le mettre là déjà. Hop, 5, 6, 7. Est-ce qu'il y a un truc au-dessus? Eh oui. Tac, ici. Je pense que je vais le laisser là. Je vais jouer le nain qui fait 6 et qui va se mettre là. Hop. Et qui va du coup attaquer. Et là, on a un grand escalier. Tac. Juste ici. Voilà. Un escalier. Avec un autre orc, bien évidemment. Qui se retrouve ici. Et je vais attaquer avec 4 dés. Et je fais rien du tout. Aïe, aïe, aïe. Nous avons ensuite l'elfe qui fait 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et il va falloir courir un peu, monsieur l'elfe, là, hein, parce que c'est plus possible. Et nous avons, on a dit, le barbare, qui doit se trouver, du coup, hop là, juste ici. C'est terminé, tour de Zargon. Donc lui, il se met là. Tac. Et lui va attaquer. Waya, deux dégâts. Eh ben, je me prends les deux dégâts. Putain, je suis à 2 PV, c'est chaud. Et lui va se bouger.
Et il va se mettre là. Ah non, il va se mettre là. Ça commence à être chaud quand même. Hein. Je vais essayer d'abord avec l'elfe. Oh non, pas ça. 1, 2 et 3, il peut rien faire. L'enchanteur, je vais du coup soigner mon 1. Il se retrouve à 6 PV. Ensuite, je le mets ici et j'attaque à 4D. Je fais un dégât et c'est parfait, il est mort. Tac. Donc ça, c'est bon. Lui, il se met là. Et notre barbare, il fait 3, putain. 1, 2 et 3. Ça avance pas vite. Hein. Ça n'avance pas vite. C'est la merde. Tour de Zargon. Donc j'imagine que lui revient et il me tape dessus. Voilà. Putain, deux attaques. Oh là là. Eh ben deux. Oh putain. 4 PV. Je vais réattaquer avec le nain. Un dégât. Et c'est bon. Oh là, il m'en aurait fait chier l'orc. Donc ça c'est bon. Le nain qui va avancer et qui fait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qui fait que 7 d'ailleurs, c'est pas 8 du tout. Voilà, il se retrouve. Alors ça, on a un truc qui est cloisonné. Merde, j'ai plus de cloison. Bon, c'est pas grave, je vais en mettre 2. Tac, voilà, ça c'est cloisonné. Voilà. Hop là. Hey, la petite porte ou nette ici, là. C'est bon. Et bon, on a réussi. Ok. On a potentiellement réussi. L'elfe. 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Tac. L'enchanteur, pardon. L'elfe, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Et le barbare, ma foi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Le barbare juste derrière, qui lui freine un tout petit peu. Hein. Tac. Et le barbare, c'est chaud. Hein. Le barbare, il est assez lourd, là. Tour de Zargon. On va prendre le nain, qui va du coup faire 10. Je me mets ici. Ok. Avec un petit truc ici. Et j'ouvre. Bon. Alors. C'est cocasse. En voici. Donc, en voici une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. 6, 7, hop, et il m'en faut un huitième. Ok, là on a du people. Hein. Là on a du peuple. Oh la vache. Ah, là on va envoyer le nain. On va envoyer le nain, pardon. On va envoyer le mec fout le boxon. Alors, et lui se met ici. Oh la vache. Et ensuite, c'est pas fini, puisqu'on a un seigneur de guerre qui se trouve ici. Bim ! Waya ! Ça fait quand même beaucoup, hein. Ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même beaucoup. Retirez la porte du plateau de votre table. Ça fait quand même beaucoup à essuyer. Est-ce qu'on partirait pas en bas? J'ai fait 10 avec lui. Hein. 3, 4, 5, 6, 7. J'essaye de voir en bas. Ah putain! Un piège. C'est bon, j'ai esquivé la lame. On va essayer de courir là, parce que j'ai l'impression que ça c'est chaud. Hein. Et il y a un grand escalier encore. Oh là 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 là! Là, c'est... Ah, j'ai pas vu de salle aussi blindée aussi, hein, je te rassure. Je n'ai pas vu de salle aussi remplie, là. Alors. Tac, on a
un nouveau truc comme ça, un escalier Kamas, et qui du coup nous emmène sur un nouveau truc ici. Putain, encore une fois. Oh là là. Je me prends un dégât. 3 PV. Donc je suis à 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, ça me fait... Oh là là, putain, ça me fait là. Ça me fait arriver ici. Tac. Et il y a encore une fléchette. Et cette fois-ci, c'est ignoré, c'est bon. Ouf, bon, bah ça, on a bien compris que c'était emmuraillé, ok. Il va falloir courir. Hein. Il va falloir courir, donc... Qu'est-ce que j'ai avec... J'ai la peau de rogue, j'ai résistance de magie, j'ai bracelet. Je peux faire une guérison avec l'elfe. Qu'est-ce que je fais? Je vais du coup jouer l'elfe à 12. Alors, qu'est-ce que ça peut me donner? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ou alors je fais une peau et je traverse. Je vais faire traverser la pierre. Je vais faire ça. Et je vais faire un raccourci là. Allez, je fais traverser la pierre. Le sort. Action. Lancer le sort. Voilà. Hop. Et je vais faire... Voilà. Je vais faire 6 comme ça. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 7, 8, 9. Je vais ouvrir la porte. Et superbe. Hop là. J'ouvre et on trouve l'escalier en colimaçon qui se trouve ici. Et on va devoir se barrer maintenant. Tac. Alors j'ai fait mon tour avec lui. L'enchanteur. Je vais me faire deux déplacements avec lui. Donc je vais faire un truc de vivacité. Je fais 7 plus... 6, donc ça me fait 13. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et je reste là. C'est pas fifou aussi. Hein. C'est pas foufou quand même. Ensuite, bah, j'ai le barbare, lui malheureusement, bah, lui 6. Hein. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Lui malheureusement... C'est un peu chaud. Hein. Et on a fini. Tour de Zargon. Ils vont tous venir chez moi me buter. Quoi. Voilà, donc il y en a un déjà ici. Bim. Allez. Heureusement qu'il a 5 dés de défense. C'est parfait. C'est essuyé. C'est bon. Ensuite, on a celui-ci qui vient ici. Oh là là, le barbare. Il va avoir... Vlaltaf. Celui-ci qui vient ici. Oh là là. Ça en a un truc de malade aussi. Celui-ci qui vient là. Ok. On a encore deux autres. Ouais. Celui-ci qui se met là. Ok, je comprends pas pourquoi ils font ça, mais pourquoi pas. C'est totalement débile. Celui-ci. Ah bah quand même! Celui-ci qui vient ici, qui va attaquer le mage. Un dégât. Eh ben parfait, c'est essuyé. Oh, il a pris zéro truc le mage, hein, quand même, c'est dingue. Celui-ci qui se met du coup là. Et on va avoir ensuite le dernier qui se met ici. Ok, putain, c'est... c'est quand même hallucinant. Ah oui, et on a celui-ci qui vient là-dessus. Eh oui, tout à fait. Bon, bah, c'est parti, hein, le barbare qui va attaquer avec 3 dés. Il fait 2 dégâts.
Oh non, c'est pas vrai, c'est essuyé. Bon bah il fera rien de plus malheureusement. Il va peut-être s'enfuir. Hein. Il fait combien s'il s'enfuit? Il fait 10. Parce que là il va se faire taper de partout. Bah il s'enfuit. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bah, il est obligé parce que sinon là, les gifles qu'il va se prendre. On reviendra un peu plus fort après. Voilà, 10. L'enchanteur qui va essayer d'attaquer du coup le petit là. Il le fait 1. Et ben c'est essuyé. Il va se barrer surtout. Il va faire du coup 7, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il se met là du coup. Tac. On va mettre ça ici. On a ensuite le nain. Est-ce que le nain il attaque ou pas? Le nain, il a combien là? Parce que là, 3 PV et l'elfe, 3 PV. Allez, l'elfe, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il attaque deux fois. Premier, ça marche pas. Deuxième, putain, ça marche pas aussi. Oh là 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 là. Ça c'est terrible. Le nain malheureusement, bah, il peut rien faire. Hein. Le nain ne peut rien faire et je pense qu'on va rester comme ça là. Alors lui, il se met là. Oh. Il faut essayer de se barrer, mais c'est chaud quoi. Hop là, il se met là. J'ai plus de boule de feu. Il me reste un djinn, une potion de guérison. J'ai du sommeil aussi que je peux impacter. Hop, ça je vais le mettre là. Hop, lui se met là. Ok. Et ensuite. Alors j'ai 5 dés avec l'elfe. Je me prends rien, heureusement. Et lui, il se barre. Et lui, il se barre ici. Tac. Mais j'ai le chevalier noir qui arrive. Hein. Ça va être chiant. Non, du coup, c'est lui. Ok, il ramène des gars. Ok, là, ça sert à rien. Vaut mieux mettre un chevalier qui tape fort. En même temps, il fait 3 dégâts, lui. Ouh. Ouf. Eh ben, je me prends 3 hits dans la truffe. Et j'ai plus de PV. Est-ce que j'ai une potion quelque part? Yes, j'ai une potion de guérison qui est là, heureusement. Alors, je la défausse. Et la potion de guérison me dit je lance un dé et je récupère autant. 2 PV. Ah, ça, j'irai pas loin avec 2 PV, mais c'est toujours ça de prix. Ok. Putain, là, je me suis pris une gifle. Et lui, il se met là. Oh lolo. Et lui, il repart. Ok. Et lui, il se met ici. Oh, quel bordel sans fin. Bon, jouons maintenant avec l'elfe. Il fait un dégât. Et c'est essuyé. Deuxième attaque. Rien du tout. Et il va se barrer. Putain, l'elfe aussi, là. 7. Donc il va faire 1, 2, 3, 4. Il reste là. Le nain. Toute façon, il va faire 1. Il va attaquer avec 4 dés. Il fait rien. Oh putain, c'est pas vrai, mais non. Mais c'est pas possible. Le nain, il a combien déjà, lui? Le nain. Le nain, le nain. 3. L'enchanteur. Je vais le mettre à côté du. Je vais le mettre juste là. Et il va lancer un soin de guérison. Donc il va se récupérer. Est-ce que je l'ai utilisé ou pas? Je me rappelle plus. Je ne m'en rappelle plus, mais j'ai une potion de guérison aussi avec le nain. Donc je vais l'utiliser et je me prends 3, je suis à 6 PV. Et ça, c'est parti aussi à la trappe. Donc ça, c'est fait. Tac, parce que c'est pas une action. Alors, ah si, c'est une action de faire ça. Ah, donc je ne pouvais pas.
Donc alors attendez, je remets la potion ici, parce que c'est une action de boire. Et je me remets moins 3. Donc je suis à 3 PV. Je vais utiliser le barbare là. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hors de question. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais rester là avec le barbare. Avec le barbare, je reste là. Tour de Zargon. Et on regarde ce que ça fait. Donc ça vient là. Ça vient là. Ah, j'aurais pas fait ça, mais bon. J'aurais attaqué directement, reculé, ensuite réattaqué, reculé. Donc ça vient là aussi. Putain, j'ai tué 0 orc, quoi. C'est dingue, j'en ai tué peut-être un. Lui se met ici. Putain, la vache. Lui, il avance, bien évidemment. Il se met là. Et lui va attaquer. Il fait 2 dégâts. Hein. J'ai 3 dés. Ouh. Ouais, c'est essuyé, heureusement. Et lui, il va où, du coup? Et lui, il se met là. Ok. Et on a le chevalier noir qui vient. Ah non, même pas. Il attaque avec son orque. Ok. Et il fait combien, là? Il fait un dégât. C'est essuyé. Ouh. Cette défense naine. Et lui, il se met là. Ok. Bon, alors là c'est épique hein, quand même, parce que ça commence à être chaud. Donc lui, de toute façon, je vais venir ici, je vais lancer 3D. Voilà, rien du tout. Putain, c'est pas possible. C'est pas vrai. Donc 4D avec le nain. Un dégât. Et c'est essuyé. Putain, mec, c'est pas vrai. Je vais reculer, hein. 1, 2, 3, je me mets là. 1, 2, 3. Qu'est-ce que je fais du coup? J'ai pas de potion. Je vais. Oh là 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 là. Je vais faire un coup du courroux là avec le. Comment dire? Avec l'enchanteur. C'est un sort. Action. Lancer un sort. Sort de feu. Et feu de colère. Lancer le sort sur l'orque de fond. Hop, et il est mort. Et il se casse. 1, 2 et 3. Donc ça c'est fait. Voilà. 1, 2, 3. Ensuite, j'ai l'elfe. L'elfe. Je vais faire une guérison. Je prends 4 PV, donc je suis à 6. Et je me remets du coup 1, 2. 3, 4, 5. Et je me mets ici. Voilà. Là, je suis à bloc. C'est bon. Donc là, on va faire ça comme ça. Et je pense que j'ai tout fait. Hein. J'ai vraiment tout fait. Donc ça, c'est parti. Tour de Zargon. Alors, j'ai 5 dés avec l'elfe. Et je me prends que dalle. Donc ça, c'est bien. Et je pense qu'il va se barrer. Et il va se cassos à côté. Il se trouve ici. Tac. Alors, qui attaque après? Bah, j'imagine un nouvel orc. 3 dégâts. Oh lolo. 3 dégâts, c'est beaucoup, hein. Et j'en essuie 4. Oh, c'est formidable. C'est le super shield de l'elfe. Donc ça, je le mets ici. J'imagine que les autres vont avancer aussi. Voilà. Donc lui, il se met ici, l'orc. Il va falloir ramener le barbare parce que c'est chaud, hein. J'ai encore un sort de djinn, donc je vais pouvoir taper la grosse bête là. 5 dés avec le barbare. C'est bon, c'est essuyé. Et il se casse. Et il se met ici. Tac. Et il nous reste le chevalier noir. Chevalier noir. Ah non, il reste encore un orc. Ouais, putain, j'avais zappé. Il lui reste un orc ici là à taper. Allez, 5 dés. Et c'est parfait. Et ensuite le chevalier noir. Ok, qui bouge que de 1 et qui se met ici. Bon. Alors, le barbare. Hop là.
qui fait 3 attaques. Eh ben c'est parfait, là. Lui, il est mort directement. Tac, ça c'est fait. Hop, ça c'est bon. On va avancer ensuite un peu. On va faire 1, 2, 3 et 4. Voilà, on va se mettre là. Il avance un petit peu, le barbare. Ensuite, on a l'elfe qui va attaquer. Première attaque. C'est bon. On se met là. Et je pense qu'il va... Ça me donne bien envie de... prendre le nain et d'aller défoncer un petit peu aussi. Mais le nain, après, il a combien de PV? 3 PV. 3 PV... Allez, je vais faire ça avec l'elfe. C'est l'elfe quand même qui a 5 trucs. Voilà, l'elfe, il se met au-dessus. Ensuite, on va avoir le nain qui va se mettre là. On ne sait jamais s'il y a un problème. Voilà. Et l'enchanteur qu'on va ramener... 1, 2, 3, 4, qu'on va ramener ici. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Salut à Matoy 976. Mais oui, il y a trop de monde. Là, on a popé grosso modo 2, 4, 6, 8 orques avec un seigneur de guerre qui se trouve là, un seigneur du chaos. Donc autant dire que là, on chie un peu des bulles. Hein. Ça commence à être un peu chaud. Il faut qu'on sorte d'ici. Donc tu vois, il y a un barbare qui est tout seul. Il va falloir dézinguer quand même pas mal de trucs. Là, c'est chaud. Hein. Donc lui, il vient ici et il m'attaque. Allez, j'ai 3 dés, j'ai 5 dés de défense. Eh ben, c'est bon. Aucun problème. Ensuite, j'ai 5 dés avec l'elfe. Oh là là. Je me prends rien du tout. C'est parfait. Et lui, il va reculer. Il va se mettre là. Tac. Et il va me rattaquer avec quelqu'un d'autre. Voilà. Tac. Oh là là, c'est la position... C'est la merde. Donc 5D. Eh ben parfait, ça tient encore. Oh, mais c'est l'elfe est très fort. Donc lui, il se met là. Ensuite, on va avoir le nouvel orc ici. Allez, 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 allez. On va ensuite avoir le seigneur de guerre qui vient ici. Enfin, le chevalier du chaos, hein, c'est plus précis. Je vais prendre du coup le barbare 3D. Il fait 2. C'est parfait, il en tue un, bim, tac, et je reste ici, parce que du coup, sinon, si j'avance, ils m'attaquent, ils vont pouvoir reculer, donc le barbare reste là. Ensuite, j'ai 2 attaques avec l'elfe, donc l'elfe, il fait rien, deuxième attaque, il fait rien. Bon, il va du coup, ouais, il a 5 dés de défense quand même, 5 dés de défense, mais j'ai peur pour le nain c'est un peu chaud. C'est quoi la potion de chaleur? Oh, ça, attends, c'est de la merde quand même. Potion de force, on s'en fout. Je pense que je vais rester comme ça. Ouais, je vais rester comme ça. C'est pas mal quand même. Putain, j'aurais pu buter un autre truc. Mais c'est chaud. Donc, tour de Zargon. Celui-ci vient ici. Non, pardon, c'était celui-ci qui vient ici. Je sais pas pourquoi ils font ça, l'appli. Ensuite, un dégât essuyé. Bon, allez, c'est essuyé. Hop, c'est parfait. Ensuite, nous avons celui-ci qui attaque l'elfe. Oh là là. Et ben, l'elfe, ça tient aussi. Putain, 5 dés, hein, ça tient bien comme il faut. Donc, lui, il se barre ici. Et il a vu que c'était chaud. Ensuite, l'orc, il vient ici, il attaque. 3 dégâts. Oh là là. Alors, attention. Et là, je me prends 3 dégâts quand même. 1, 2 et 3. Il a tenu, mais quand même. Faut pas déconner. Et ensuite, on va avoir celui-ci qui se met du coup ici. Tac. Et le seigneur du chaos, là, il va où? Ah, le seigneur du chaos, il va en bas. Hein. Et oui. Bon, allez. Le barbare, 3D. Il fait 2. Et c'est parfait, il est mort. Donc il y en a un en moins. Tac et tac. Ensuite,
Il fait du coup 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, là, il va commencer à rejoindre ses potes parce que sinon, ça va être chaud. Ensuite, on a l'elfe. L'elfe, du coup, qui va faire deux attaques. Une attaque à 2. Et c'est parfait. Donc lui, il meurt aussi. Tac. Par contre, il va se retirer maintenant, l'elfe, là. Il va faire 1 et 2. Il va se mettre ici. Tac. Il va se mettre là-dessus. Ensuite, je vais jouer l'enchanteur qui va faire 1, 2 et 3. Et qui va faire un sort de djinn. Donc j'ai 5 dés pour attaquer le seigneur de guerre. Allez hop, là normalement, donnez-moi des crânes. Oh putain, c'est pas vrai. Un crâne. Un crâne pour 4 dés. Oh bah ouais, tu m'étonnes que c'est essuyé. Je vais jouer le nain, 1 et 2. Je vais venir ici et je vais prendre position pour attaquer à 4 dés. Oh putain, c'est pas vrai, mais c'est pas possible. Ah, j'aurais pu buter le seigneur de guerre, là, comme ça, avec un djinn et puis un truc, mais j'ai pas de château dé. Oh, c'est moche. Eh ben, c'est parti. Donc, lui vient ici et va attaquer mon barbare. Oh là là. Il fait un dégât. Eh ben, c'est parfait. J'en essuie. Putain, je fais des crânes quand je dois faire des boucliers, quoi. Lui se met ici. Ensuite, on va avoir le chevalier noir qui fait 2 dégâts quand même. Hein. Et j'ai 3 dés. Je me prends un dégât. Il lui reste 2 PV. Ok. Et il se barre. Et on va peut-être se barrer aussi. Hein. J'ai peut-être buté le... Allez, le barbare. Il fait 1 dégât. Et c'est bon. Bim! Et il va se barrer. Oh putain, 5. 1, 2, 3. Il se met ici en embuscade. Et je pense que du coup, les autres vont commencer à reculer un petit peu. Lui va rester là. Non. Lui va faire 1, 2 et 3. Est-ce que je fais 3 déjà? Ouais, c'est bon. Le nain. 1, 2, 3, 4, 5. Et lui, il va faire 1 et peau de roc. Pour avoir du coup 6 dés de défense. Comme ça, il va reculer. Donc ça, c'est bon. Alors, on remet juste l'appli en forme. Tac. Hop. Lui, il se met du coup là. Et là, normalement, ça devrait passer. Lui se met là. Et l'autre, il a une peau de roc. Donc il a 6 dés quand même. Pour défendre. Ça devrait quand même passer. Du coup, celui-ci, ça vient ici. Et là, on va se barrer après vite. Hein. Un dégât, donc il a 6 en défense. Oh. Ah, c'est pas vrai que des crânes. Putain, c'est pas possible. 3 points de vie. Que des crânes. Donc j'ai plus ma peau de rogue, j'ai un dé en moins. Et lui vient ici. C'est pas vrai, putain. Sur 6 dés, quoi, je fais que des crânes. Allez, le barbare, il va essayer de buter quand même l'autre, là. Il fait 2 crânes. Allez, c'est bon. Il a tué celui-ci. Ça, c'est terminé. Il reste le gros. Et le barbare, il fait 5. 1, 2, 3, 4. Il se met là. L'elfe, il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il attend ici ses potes. Le nain... 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va faire bouger le nain parce que le nain, de toute façon, il ne servira plus à rien. Le nain, il se casse. Et on a ensuite... alors, est-ce que je peux faire un sommeil avec lui? Lancer un sort d'air. Et c'est, je vais faire une tempête. Ah, merde, j'ai pas de champ de vision. J'ai pas de champ de vision et du coup, si je fais un sommeil, j'ai pas de champ de vision aussi. Il bouge à combien lui? Il bouge à 7. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais quand même faire ça. Je vais me mettre ici. Tac.
Hop. Et je vais faire un sort de tempête, comme ça il bougera pas. Et on va essayer de s'enfuir au prochain tour. Donc, un sort de tempête, lancer un sort d'air, et on va faire tempête, lancer le sort. Paf. Voilà. Et tour de Zargon. Ça y est, il est paralysé. Donc, on va prendre nouveau tour. Il fait du coup 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Il se retrouve juste ici, l'enchanteur, donc il se casse vite. On a ensuite 6 du barbare. 1, 2, 3, 4, 5. Il se met là. Et l'elfe, il va se barrer. Voilà. Et on a dit le barbare. Il est juste ici. Et lui, s'est barré aussi. Et fin de tour. Ah, mais je crois qu'on a gagné, c'est bon. Hein. Ouais, c'est bon, il n'arrivera pas à nous récupérer. À part si je fais deux avec le barbare. Ah non, c'est bon. 1, 2, 3, 4. Et l'autre peut s'enfuir aussi. Allez, c'est parti, c'est terminé. On a gagné, on est content. Oh! Eh ben, c'était bien chaud. Oh là là, c'était hyper chaud. Et voilà, bah du coup, pile poil avec la sortie de GeoGeo 78, qui a vu qu'on s'était barré. Donc après avoir aventuré au cœur de la montagne et avoir vaincu de nombreux ennemis, vous descendez le passage en spirale et réussissez votre quête. Bim! Donc ça c'est fait. Eh bien, c'est la Forge des Nains après, mais bon, la Forge des Nains, hein, on ne la fera pas aujourd'hui. Là c'est quand même pas mal, ça a été assez épique. Et puis, au niveau du temps, on est quand même pas mal foutu. Donc voilà, c'était franchement c'était chaud, hein. C'était super chaud là, parce que bien que j'ai eu pardon, des l'armure du barbare à 5D, bien que l'elfe a aussi 5D, vous voyez que des fois, bah, quand on n'a pas de chance, c'est super tendu du slibard, et c'est un peu complexe. Voilà, bon, on continuera peut-être encore une fois demain sur le système là de la forteresse de Kellar, qui est vraiment là pour les trois premières que j'ai faites. Franchement, c'est assez sympa. On a eu le boulier là, la boule qui nous a couru après. On a eu ensuite les grands gars là. Quand on a ouvert la porte, il y avait énormément de mecs et tout. Donc, non, non, c'est assez cool. Hein. Franchement, c'est assez sympa. Si on passe à côté, bien sûr, du côté archaïque, on lance 2D, on fait machin et tout. Mais au niveau de l'histoire, quand même, c'est plutôt pas mal. Allez, bah passez un bon lundi et nous on se retrouve peut-être demain, mais pour une quête. Pas pour deux, parce que ça va être un peu complexe. Allez, prenez soin de vous et bonne rentrée pour ceux qui bossent demain. Allez, ciao!